Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la suite de Divine Journée 2. Et on se met en place. Tac tac tac. Et paf. On est en place. Alright. Et on y va. Je vais lancer le modpack. Enfin, je vais me connecter. Let's go. Alors, depuis le dernier stream, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé pas mal. J'ai bossé pas mal hors caméra, pas mal de petites choses qui n'étaient pas. Je veux dire, qui ont pas fait avancer sensiblement le modpack. J'ai gardé les grosses avancées pour plus tard, là, pour le faire ensemble. Mais des choses qui vont nous aider à avancer, par contre. On va regarder ça tout de suite. Alors, un petit instant. Alors, il y a des meubles là-bas. Donc la dernière fois, on avait vu que j'avais mis en place les spawners là-bas. Ça fonctionne bien. J'ai commencé par changer les couleurs de mes beacons. Voilà, je me suis dit en noir, pourquoi pas. Allez, on s'en fout. Ensuite, ce bâtiment-là a changé, il a grandi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai... rajouter quelques laser drums pour avoir un peu plus de ressources qui rentrent. Alors en fait, je me suis retrouvé assez vite à être très très limité en diamants, il me semble. Et donc, j'ai ressenti le besoin de booster ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai maintenant 22 000 de diamants, donc ça a bien remonté. Par la même occasion, j'ai aussi augmenté mon oil sand. Et oil shale que je récoltais mais trop doucement aussi, consommé à grande quantité pour faire du dark steel que j'ai pas encore remaxé aux dernières utilisations qu'on a pu en faire. Alors comment ça marche? Déjà ça marche comme ça, en pile, ça c'est une bonne chose. J'en ai plusieurs avec... donc ça c'est les trois types de lens que j'ai. J'ai du noir, j'ai du cyan et j'ai du light blue. Light blue j'en ai plusieurs, noir j'en ai plusieurs, c'est donc pour le diamant et le oil sand. Celui-là j'en ai un seul, c'est pour corallium. Corallium que je dois avoir en quantité suffisante, je crois. Corallium, j'en ai 2189, c'est pas trop mal. Ça roule. De ce côté-là, rien à dire, ça roule. Hop. Ici. Ah oui, hors caméra. Un truc tout con. Je comprenais pas parce que mon call ici disparaissait à extrêmement grande vitesse. Quand je le mettais, si je le mets, on va tester. Je prends du call ici, que j'en prends la blinde, et que je le mets là. En fait, je me retrouvais que mon stock de call qui était ici, il disparaissait. Donc là, bon, là c'est normal parce qu'il remplit ce stock là, et celui qui est là aussi. Mais il disparaissait, je comprenais pas parce que... il partait beaucoup plus vite que la consommation normale. Qu'est-ce qui se passait en fait? C'est que... J'ai changé la dernière fois, je me suis amusé à changer la priorité du storage controller, storage bus, pardon, qui a en arrière ici, qui s'occupe de tous les drawers là. Et ça fait qu'il extrayait le call de là-bas pour l'envoyer ici. Ce qui était un peu débile. Donc j'ai changé ça et ça fonctionne maintenant. Je l'ai repassé à même priorité en fait. Dark Steel, j'en suis à 152 stacks de blocs. Sur 512, ça progresse, ça va, tout ça va, donc pas grand chose d'autre ici pas grand chose. Le Refine Obsidian, où je me suis battu longtemps pour en avoir, j'en ai maintenant, voilà, ça y est, hein, j'en ai 31k, ça commence à être pas mal. Ici, il y a eu des modifications, oui, j'ai remplacé, si vous vous souvenez, il y avait... mon système de lave qui était ici, je l'ai remplacé. J'ai mis déjà un fluide interface qui récupère la lave directement d'Applied. Si éventuellement j'ai besoin de lave ailleurs,
je pourrais le transférer depuis Apply. Est-ce que j'ai d'autres choses ici? Non. Donc là ici, ça c'est bon. En haut, j'ai remplacé mes trois drums par des Black Hole Tank ici. J'en ai profité d'ailleurs pour fixer, normalement c'est fixé, les crafts de ces Black Hole Tank. Donc là j'ai trois Black Hole Tank qui sont en cours de remplissage. Alors doucement mais sûrement. Je pense pas que j'aurais de problème avec ces quantités là éventuellement. Donc tout ça, ça va bien. Pour ça, en parlant des... Hey, salut Clément. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Comment vas-tu en ce dimanche soir? Je sais pas quelle heure il est chez toi, mais... Fin de journée, soirée. On est... Bah écoute, ça va bien, content d'avancer sur Divine Journée aujourd'hui. On va aller travailler sur Tomcraft, mais là je suis en train de faire un petit bilan de ce que j'ai fait hors caméra, des petites choses, essentiellement des petites choses. 23h, ok, donc t'es en France. Ah bah tiens, ça c'est parfait, ça a été vidé, on pourra virer. Bah en France, ou en tout cas en Europe. J'ai rajouté donc, ça on l'avait fait ensemble je crois. J'ai rajouté, donc là j'ai un Black Hole Tank qui gère le Life Essence, il y en a un qui a le Liquid XP, il y en a un qui a de la lave maintenant, et il y en a un Belgique, ouais c'est ça, c'est pour ça que j'ai corrigé, que j'ai dit en Europe plutôt que France. Le biodiesel ici qui s'est ajouté, on va voir, j'ai mis ça propre là-bas. Et la lave en fait je la récupère avec le lava fabricateur ici directement. J'ai de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire, donc utilisons-la. Donc le lava fabricateur ça me fait un peu de lave tous les... Enfin ça me fait un bucket de lave tous les je sais plus combien. J'ai pas besoin que ça aille beaucoup plus vite hein, vu la consommation. Là de la lave j'en ai déjà 90 000 buckets. On est large. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, le biodiesel. Biodiesel évidemment. Que j'ai réajusté, je l'ai refait propre. En fait, j'ai enlevé tous les câbles et câbles de mécanisme. Et j'ai passé ça en fluide conduit. Donc. Des flux de conduit, item conduit, qui récupère l'énergie, enfin le matos. Donc j'ai remplacé l'aubergine par du canola et l'aubergine seed par du canola seed ici. Ces deux-là, on en a en quantité d'ailleurs, il faut que je regarde. Voir à quel point ça se descend. Canola. Ça descend mais c'est pas aberrant. Hein. C'est pas aberrant. Au pire on pourra le replacer proprement si on en a besoin à venir. Donc ça c'est bon, ça nous fait de l'éthanol et du plant oil qui sont envoyés directement à notre refinery qui est ici, qui envoie dans notre dynamic tank ici, bah, qui est vide en ce moment. Tu connais pas trop le Minecraft modé? C'est super chouette déjà le Minecraft modé, ça change complètement le style de jeu, hein. On va être honnête, ça change les objectifs de jeu et ça change beaucoup de choses. Ça reste le même type de manipulation, hein. on est sur du Minecraft quand même, mais ça change beaucoup de choses. Et je dirais que sur Divine Journée, là, donc le modpack sur lequel je travaille en ce moment, ça, c'est du compliqué. Donc ça se peut que là tu sois complètement paumé avec ce que je raconte ici. N'hésite pas à poser des questions, ça me fera plaisir de te répondre s'il y a besoin. Et puis voilà, sinon je t'invite à regarder peut-être d'autres modpacks que j'ai pu faire éventuellement, ou le début aussi. T'as joué avec le mode Create que je n'ai jamais touché encore. Donc tu t'y connais mieux que moi sur Create. Mais ça va venir, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Il faut que je finisse ce modpack là, mais après je vais sûrement jouer avec Create. Donc Dynamic Tank qui se remplit de biodiesel mais qui est tout de suite retransféré en dessous. En dessous on a un... J'ai quoi en dessous? Oui, j'ai un Demonic Gargantuum Drum.
qui est rempli de bio, enfin qui se remplit de diesel, mais qui est tout de suite vidé par pour envoyer à pour envoyer donc au black hole tank que j'ai en bas. Donc là, du biodiesel, je vais en avoir en masse. Ça, j'ai passé du temps dessus, mais en fait, pour refaire exactement ce que j'avais fait précédemment, donc pas grand-chose à en dire. Ça va. J'ai encore fait une petite séance de remplissage de Terra Shatterer. On n'est pas encore rendu à fond, mais ça avance. Et pour ceux qui ont l'œil, j'ai farmé un peu le Gaïa et donc j'ai récupéré tous les reliques qu'on peut avoir en butant le Gaïa, le boss Gaïa. Et j'ai même quelques Dice of Fate en stock qui me serviraient possiblement pour faire d'autres Unique Matrix si à un moment donné j'en ai besoin. À voir. Pour l'instant, c'est pas essentiel, mettons. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ouais, du Gaïa, évidemment. Donc Gaïa, ça veut dire que j'en ai 300 en stock. 300 en stock, on est pas mal, on pourra en l'utiliser éventuellement, on verra ce que ça va donner plus tard. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses? Tac tac tac, alors le drum on peut le virer ici, lag, ça je peux virer. On va aller faire un tour dans le void, évidemment. Dans le void, j'ai rajouté quelques graines que j'avais pas précédemment, donc le Ice Essence, l'obsidienne que j'ai placée aussi. L'obsidienne, je l'avais déjà faite. La Ice, je l'avais pas faite. Donc j'ai fait la Ice, Water, Wood, Grains of Infinity et Dirt. Je le conseille, il permet d'avoir une mécanique au jeu plus facile pour la production de fer ou autre. Ouais, je sais que Create est génial. J'ai vu jouer un petit peu sur Create et j'ai. Non seulement il est beau, mais il est fun à... Ouais, c'est ça, t'es presque un ingénieur quand tu utilises... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment cool comme mode de jeu, en fait. Et ouais, c'est sûr que je vais y jouer. Alors après, quand je fais du modé, je fais partie de ceux qui fonctionnent avec des mod packs. Donc, ils sont des assemblages de mods qui sont reliés les uns entre les autres par une personne ou une équipe. D'une certaine manière, et je vais rien modifier à un modpack. Quand je prends un modpack, c'est pas moi qui modifie. S'il y a des choses qui doivent être modifiées au modpack, c'est pas moi qui les modifie, c'est les nouvelles versions du même modpack. Donc je vais pas travailler. Donc je vais pas, par exemple, je vais pas rajouter Create dans mon monde, dans ma partie de Divine Journey, par exemple. En revanche, Create pourrait très bien être un critère. Probablement d'ailleurs un critère de sélection pour mon prochain modpack. Qui est pas pour tout de suite, je le crains, vu ce qu'il me reste encore à faire sur le questbook d'ailleurs, auquel on arrive maintenant. Dans le questbook, j'ai fait donc les graines dont je parlais. On va pouvoir se récupérer quelques ressources. Je sais plus si on pouvait toutes les claim, mais bon, c'est pas grave. Ok, et on va pouvoir envoyer ça. Alright. Et on a la possibilité de faire les graines de tier supérieur, donc le tier 3, crafting seed, ça se fait comme ceci. Il me faudra de l'herbe et des précantations, mais ça peut arriver assez vite en réalité, puisque on se rappelle, on était rendu à cette automatisation-là dans Tomcraft. Enfin, cette automatisation. L'automatisation des essences, donc on va pouvoir avancer vers ça. Donc dès qu'on aura automatisé ces trucs là, on pourra se concentrer un peu sur les tiers 3 qui vont nous permettre de crafter pas mal de choses. Donc on peut avoir aluminium, amber, basals, black quartz, blitz, certus quartz, copper, creeper, dark gem, N-seed, très intéressant, surtout quand on va travailler, surtout pour travailler les landstone qu'on a eu, dont on a manqué il n'y a pas si longtemps. Il est bien fait ce modpack, même si de Divine Journey, ouais, il est exceptionnel. C'est une équipe qui travaille très très sérieusement et il y a peu de choses à dire. Il y a peut-être des fois où c'est un peu, enfin,
D'habitude, tu sais, tu peux trouver, ah bah ça c'est mal fait, ou ça c'est dommage, ce craft là il est super compliqué pour pas grand chose, ou des trucs comme ça. Celui-là, ce modpack là, c'est vraiment très bien fait, je trouve que l'équilibre est très bon, et t'as vraiment un... Donc déjà, tu traverses plein de modes, il est quand même assez... Il est, en fait, il est très long comme modpack, mais tu traverses plein de modes et tu apprends plein de choses en fait. Et là, moi par exemple, sur Tomcraft, je connais un peu Tomcraft, mais j'y ai pas travaillé beaucoup, pas au point de faire des automatisations par exemple. Et donc, bah, ça va être excellent à travailler. Expérience: Glowstone, Gold, Guardian, Iron, Jade, Lapis, Lead, Mineral, Nether Quartz, Nickel, Osmium. Quicksilver, ah Quicksilver ça va être important, c'est celui-là qui m'intéressait en fait. Redstone, Silver, Skeleton, Slime, Spider et enfin Tin et Zombie. Et ici le tier 3, le tier 4 qu'on pourra voir après. Ok, ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ok, et donc j'ai avancé là-dessus. Je sais plus où on en était avant la fin du dernier stream, mais bah j'ai au moins rajouté de l'autre côté et j'ai préparé des jars pour chacun des 6 aspects de base. Et là j'ai du stock pour le reste, je crois. Ouais. Donc là j'ai préparé tout ça, donc préparé des deux côtés ici, on a la même chose, c'est prêt à rouler. On a de quoi faire l'étage supérieur on reprendra exactement le même système. Ici c'était mon truc pour faire de l'alchimical brass, j'en ai utilisé beaucoup pour pouvoir, j'en ai crafté beaucoup pour pouvoir faire ça. Et j'ai placé ça ici, parce que, eh bien je me suis rendu compte que mon, si je crafte ici, faut se rappeler que... Le workbench charger, il va prendre du vis, il va permettre de prendre du vis de, du vis, du flux, du ça, de cette ressource-là, dans les 8 chunks autour de la, du chunk de la table. C'est-à-dire, quand il était là, c'était, ça venait chercher aussi sur ma tour. Ce qui était problématique parce que mon beau plafond de verre n'allait pas sur la tour. Donc ça aurait pu être problématique. T'as une fois essayé de faire un modpack, mais ton PC ça avait pas fonctionné correctement. Ouais, bah en fait, non, ça dépend de la qualité de ton PC, ça dépend s'il est vieux ou pas. Entendu, s'il y a des bonnes ressources, essentiellement la RAM en fait, c'est essentiellement la RAM qui est importante. Et c'est sûr que plus tu prends un modpack qui est lourd, plus il y a de chances que tu aies besoin de beaucoup de RAM. Puis si tu joues en solo versus si tu joues sur un serveur extérieur, c'est pareil, ça change, ça impacte un petit peu ton jeu. Si tu fais juste te connecter à un serveur que quelqu'un d'autre gère, ça va te prendre juste de quoi faire rouler ta machine, faire rouler ton instance de Minecraft. Mais si tu viens... en solo ou si tu fais un serveur sur ton ordinateur, c'est encore plus de RAM qui vont être requises pour que ça roule. C'est un pourri, ouais, bah ouais. Alors, donc je me suis intéressé à deux choses. Je me suis intéressé au flux condenser qui va me permettre de réduire parce que on a mis beaucoup de vis dans l'air, donc là j'ai 24.5 de vis dans l'air ici j'en ai 42, ce serait bien de le faire redescendre, et ici j'en ai 35 qu'il faudrait redescendre aussi si on le peut. L'idée c'est vraiment de réduire ces trucs là, donc ce sera avec le flux condenser. Le problème du flux condenser, je me suis amusé à préparer le craft de tout ce truc là, je pense que je l'ai ici d'ailleurs, voilà, sauf que j'ai pas encore la recherche du flux cleanup. Et je crois que pour ça, il faut que je le recherche en fait dans le Tomonomicon qu'on a ici d'ailleurs. Mais j'ai pas encore été capable de le trouver. Je pense qu'il faut que... Je sais pas.
Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je le trouve, ce truc-là. On verra. Peut-être à un moment donné. Sinon, à un moment donné, on se fera le Tomonomicon de Cheater, puis on fera... Si un ami crée un serveur avec un modpack pas trop gros, ton PC aurait moins de mal. Ouais, c'est ça l'idée. C'est que, en fait, le serveur, il va gérer la création, la gestion du monde en tant que tel. Puis toi, avec ton instance, en fait, avec ton PC, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste te connecter, tu vas juste lui demander des informations. Mais c'est pas ton ordinateur qui va générer tout ça. Ce qui fait qu'il y a une partie de la charge qui ira sur le serveur et une partie de la charge qui est sur ton ordinateur. Moi, par exemple, c'est le système que j'ai en ce moment sur ma partie. Avec le PC qui stream, celui que j'ai là, j'ai mon compte qui se connecte à un serveur qui est hébergé sur un autre de mes PC qui est juste à côté là, enfin sur mon autre PC à côté qui est juste là. Et mon autre PC, lui, il fait juste rouler le serveur. Et ça fait que c'est moins lourd. Et plus stable. Entre plus. Voilà, alors, comme j'ai dit, j'ai fait plein d'Alchemical Cobras et je l'ai utilisé pour faire donc tout ce qu'il me manquait de Alembic, d'Arcane Alembic et de Essentia Smeltery. On en a exactement 42. Puisque là j'en ai 14. 14, 15, 16 et 26, 42. On en a bien 42. On a 42 Essentia Smeltery. Il m'en faut 41 pour avoir tous les aspects et il m'en restera une pour autre chose si je le souhaite, mais c'est peut-être pas ce sera peut-être même pas nécessaire, peut-être juste pour faire la je vais y arriver, symétrie, on va y arriver. Alors donc on avait vu hein, le système en dessous c'est comme ça, là on va simplement reprendre nos trucs et tirer. Donc on va tirer, ça va être ici. Donc on aura... d'ailleurs, comment il est lui? Ok, c'est ça, il va venir ici. Et ça, donc lui, il va venir 1, 2, 3, 4. Hop, on va juste mettre les interfaces. Hop là. On va s'en prendre 2 pour l'instant, on en fera d'autres plus tard. Ok, let's go. Ah, raté. Hop, on en aura un ici. Et on va en avoir un évidemment en face. Ouf. Ok, ensuite, eh bien, on va avoir nos cables. Ça va pas être assez ça. Hein. Je crois que ça va pas être assez, ça va être juste pas assez si je me trompe pas. Donc, 6, ah non, juste assez. Voilà. Ici, avec un ami, on fait du vanilla. Tu dois créer une tour qui va de la couche minimale à maximale, donc tu es en train de creuser. Ah, nice, bon, bah, parfait. Ça, c'est le bon plan. Tu fais ton petit ton farming, ton minage ou quoi, pendant que tu regardes un petit stream. C'est... Ça marche. J'aime ça. J'aime ce genre de stratégie. Allez, donc ça c'est bon, c'est pour le suivant, ce qui va évidemment prendre ensuite des conduits. Conduits ici, on va prendre les conduits qui vont amener, bien sûr, 6, 7, ici, et... ici, parfait. Ça devrait fonctionner comme ceci. Et ici. Hop. C'est parfait. Ce qui fait que maintenant, en théorie, si je viens ici, ça devrait fonctionner ici. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir mon ring? On va remplacer le Ring of Odin pour l'instant, puis on va récupérer, voilà. Ça va être plus propre. Donc ici, 2, 3, 7, ça c'est bon.
Et ensuite... T'as 1 400 000 blocs à évacuer. Waouh! Bah courage. Courage à toi. Force et honneur, comme on dit. Hop là, oui, c'est ça. En fait, il faut que j'en enlève deux. Et... Hop, conduit, on va t'en faire quelques-uns. Ok. Donc dans l'idée, ça fait comme ça. Ok, maintenant si je fais ça. Alors là, je déplace, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va être capable, on va les upgrade à Tomium. Que ce soit moins, moins la merde. Intersection de 5 biomes. Ouh la vache. Ça va être sympa. Est-ce que ça fait pas des trucs moches au niveau de genre de l'herbe ou des trucs comme ça? Ça c'est bon. Ah, raté. Cable, on va prendre les Dense Smart Cable ici. On va reprendre notre petit chisel. Voilà. Ah, raté, un de trop. YOLO. Parfait. Et ici, ça va monter, bien sûr. Ici, il va falloir deux encores. Yep. Ensuite, du cable comme ça. Il va en falloir un peu plus. Hop, tu sais quoi, on va prendre ça comme ça. Tac, 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 et c'est rouge, let's go. On va en avoir un ici. Voilà, ça c'est pas mal. Là on a ça, et ensuite il me faudra ben, bien sûr tout le reste. Des essence valve, est-ce que j'en ai? Des essentia tubes. J'en ai assez, j'en ai 3. Ah, je n'ai pas rendu. Pour faire des essentia tubes, on a dit ça prend du quicksilver. Oh. Ça prend du quicksilver. Est-ce qu'on travaille avec du quicksilver? Oui, si, si, j'ai du quicksilver et j'ai du dark steel. Biome jungle, dark forest, spruce forest, les montagnes de neige et glace et le biome chêne et bouleau. Ok. Eh bien, un bien beau, un bien, bien bel assemblage, ma foi. Alors, on va bah y aller avec ça. Dark, steel ingot, les 10. Ok, ensuite water, tour rond de 113 blocs de diamètre. Purée, ça fait un bon paquet. Donc 10 comme ça et quicksilver 20, on devrait être pas mal. Alors évidemment, ça on va virer temporairement. Et c'est pas ça, c'est de l'essentia tube qu'on a ici. Ah merde, c'est du... Hop là, hop, 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 1, 2, 3. Et je suis con parce que c'est deux fois.
Voilà, hop, et ainsi Dark Solarium, 1, 2, 10, 20. Voilà. Pif, Essentia, Tube, let's go. Là voilà, j'en ai fait un paquet, donc là j'en ai 2 stacks et demi, on devrait être pas trop mal pour la suite. Hop là, on va essayer de pas tomber dans le vide, ça serait bien. Là on a 1078, on est pas mal. Ouais, les logiciels d'internet, ben ouais, sur internet pour trouver les dimensions, ouais, c'est essentiel en effet. Clac, clac. Hop. Ok. Hop, 1, 2. Okay. Tout ça, c'est bon. Éventuellement, il y aura peut-être des modifications à apporter hein, quand on va être sur les... des ressources qui produisent plus que un aspect, il faudra qu'on le modifie. Et justement, c'est là que cet item va entrer en jeu, le Essentia Buffer. Ça va me permettre de filtrer qui va où et de virer l'essence dont on n'a pas besoin. Donc là il va me falloir pour ça, faudra que je compte combien j'en ai besoin, je les ferai peut-être au fur et à mesure ceux-là, pas trop se casser la tête, pour l'instant c'est pas essentiel, surtout au début. Alors, on a fait deux déjà, est-ce qu'on va y aller avec ça? Je pense qu'on va se caler avec ça pour l'instant, on va finir de setter ceux-là, et après on va passer au suivant. Là je fais les automatisations, ouais, exactement. En fait l'idée c'est que... j'aimerais récupérer les essences de Tomcraft. Donc les essences, c'est des aspects. Alors, c'est quand en fait cette machine-là, le smelter, il va cuire un objet et en fait le décomposer en essence, les aspects. En fait, c'est sensiblement la même chose. Et il y en a 41 différents. Donc tu as les aspects primaires, donc le feu, l'air, l'eau, la terre, l'ordre et le désordre, si on veut. Et plein d'autres derrière, donc il y en a 41 en tout. Et l'idée c'est de récolter individuellement chacune de ces essences de manière passive, c'est-à-dire qu'il est toujours en train d'en récolter pour que quand j'en ai besoin, bah, ce soit à disposition directement. Voilà. Comme quand tu fais une ferme à blé, à poulet, ce que tu veux, ça marche de la même manière ici. Alors, donc nous pour l'instant on a automatisé ces deux-là. On va très facilement automatiser tout cela. Donc les différentes essences de base. Ça, je vais le remettre ici. Attends, tu sais quoi, je vais le mettre là-bas. On le verra quand on pourra le crafter, ce truc-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Les tubes qu'on a ici, on va les prendre. Ici, on en a en stock. Alors, je me suis rendu compte que j'avais deux fois certaines ressources. J'ai du vitium, potentiel, ça c'est les Ward Jar de type Machina. Et ça c'est les Ward Jar Feed. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, ça va être là. Donc là on va aller en dessous. En fait non, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça. On va prendre des filters. On a 6 filtres et on va y aller. Base Crystal, c'est ça. Ça c'est bon. On va aller ici. Je vais lui donner un filtre ici. Je vais lui dire. Alors attends, faut que je regarde qui c'est. Ça c'est Ignis. Donc là c'est Ignis. Donc Ignis. Paf, paf. Ça c'est bon. Ensuite, ici. Air Ordo. Donc ici. R ici Ordo c'est lui
ici c'est Aqua. Cela c'est facile parce que j'en ai tellement de ces trucs là que j'ai pas besoin de me faire chier autrement. Pour les autres ça va être une autre histoire. Et donc là c'est Perditio avant d'aller sur Terra. Perditio il est ici. Et enfin Terra il est ici. Paf. Et donc ici on va y aller avec R, Terra, Ignis, Aqua, Ordo, Perditio. Ah, Ordo. Peu importe dans quel ordre, on s'en fiche. Ce qu'on va faire par contre, c'est que j'aimerais qu'ils avancent plus vite. 64. Et voilà, et normalement... Voilà, pas du tout, parce que lui, il m'a filé de l'ordo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, stop. Ah ah. Stop. Je me rappelle ce qui s'est passé exactement. Eh bien, tant pis, on va y aller. On va travailler. j'ai une base... bah alors là, elle est dans le vide. C'est une dimension vide exactement. Mais bah, je vais te montrer le reste de la base tout à l'heure. Là, on est... ah, je suis emmerdé avec cette affaire-là. Ça, c'est Alchimia, mais c'est pas ça qui m'intéresse. À quoi? Alors, let's go. Ici, j'ai du Perditio. Ici, j'ai de l'Ignis. Ici, j'ai du R. Ici, du Terra. Ici, du Aqua. Et ici, de l'Ordo. Let's go. On va aller ici, on va virer tout ce qu'il a. Je pense qu'il a déjà tout viré, c'est ça. Ça, c'est bon. Alors, de l'air, de l'aqua, du terra, de l'ignis, du terra encore. Hey, je suis un peu... je me suis planté, c'est... il me faut des filtres, des Advanced Item Filter. Pour ces 6 là exactement en fait, parce que sinon, en fait quand je lui donnais ça, je lui ai dit prends n'importe quel truc qui s'appelle Crystal Essence, sauf que c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Il me faut celui-là, on va dire Ignis, et là il faut que ce soit Match NBT, c'est ça, et donc là il va m'envoyer du Ignis ici, même si, on va lui dire... ouais, non, parce que je sais pas trop ce qui va se pointer. Bah, c'est ça, je sais pas ce qui va se pointer derrière. Donc, ok, Ignis ici. Ensuite. Hop, normalement, ouais, c'est ça. Ici, on va mettre... allez, R. Pas vraiment un problème. Ici. Terra. Allons-y, on va les mettre dans cet ordre-là. Donc ça c'est Terra, parfait, ici. Hop. Après Terra, on a fait Ignis, donc là ça va être Aqua. Ensuite, ici. Ah, pardon. Ici, on vire, on va lui donner... Aqua, on va lui donner Ordo. Ah, c'est par là, c'est ici qu'il faut que je coupe. Ordo. Et ici. Ça, c'est bon. Et on finit avec Perditio. Voilà, cette fois-ci, ça devrait fonctionner exactement comme il le faut. Tac et tac. Et c'est Aqua qui... Alors, c'est Alchimia qu'on a ici. Aqua. Aqua. Ah, j'ai plus de place.
J'ai plus de place pour l'aqua. On va prendre le... Je pense que je vais prendre une void de... Non, non, on va... On va prendre de... éventuellement autre chose. Donc ici... Terra... Ignis... Ignis... Terra... Ignis... Ignis... Terra... R... R est ici... Faut changer le Twitter en X. Ouais, le Twitter, tu sais quoi, je pense que je vais le virer tout court. Je pense que je vais arrêter d'aller sur cette plateforme-là. C'est... parce que c'est un peu de la merde. J'avais pas grand intérêt à y être. Donc, il y a des chances qu'on vire complètement le Twitter. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de problème. X, pas X, on s'en fiche. Alors, il faut que j'aille chercher du une World Jar parce que j'ai plus de place pour mon Aqua. 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 Ignis. Ignis. Terra. Et Ordo, il est où? Ordo, il est là. Ordo. R. Ça, c'est vide. Et ça, c'est Perditio. Je sais plus. Lui, on va attendre. Ordo. Ordo. Ça, c'est vide. Ça, c'est Perditio. Ça, c'est R. R. Et ça, c'est... Ça, ici. Ah, et bienvenue sur le... Sur le Discord, Clément, merci, merci à toi de le rejoindre. Très apprécié. Hop, là, on a de l'air encore ici. Du Perditio. Du rien ici. Ça, ça va, Perditio. Combien il m'en reste, là? Ça descend, hein, quand ça se passe, là? Oh my god, c'est pas gagné. Celui-là, il est vide. Celui-là, il a de la quoi. Il en reste beaucoup, il en reste beaucoup. Ok. Lui, il est vide. Lui, il est vide et on lui a donné Ignis. Voilà. Lui... Ah oui, alors attends, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Non, c'est pas ça. Ah si, on va être obligé d'attendre. Lui, il est vide et on lui a donné... Air. C'est quoi? On va... Ouais, bah c'est ce que j'ai dit. Je t'ai dit merci d'avoir rejoint le Discord. c'est pile poil. R ici. Ok, ici c'est Terra. Ouais. Donc là on va prendre Terra, on va le mettre Ignis ici. On va mettre Terra ici. Comme ça on a dans l'ordre du truc là-haut. Ça c'est bon, c'est vide, c'est vide. Donc ici Terra, ici Ignis en théorie. Ici on vire le Perditio. C'est vide. On n'a plus de Perditio. Donc là, ça va être... Ah non, c'est pas Ignis, on a dit. Ici, c'est R. Que j'ai de l'air. Oui, j'ai de l'air à récupérer. Et du à quoi? Ça a l'air d'être vide. Donc R. R ici. Ignis ici. Ici, j'ai de l'air encore à récupérer. Ici, on est sur... Ordo Perditio. Les deux derniers, c'est Ordo Perditio. Donc, Ordo Perditio. Ça, c'est de l'air. Donc, on va reprendre l'air qui est ici. Et j'en ai trop, hein. Ouais, j'en ai bien de trop. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer. J'ai un Alchimia ici. Il est pas étiqueté, lui, non. On va le virer. On va le vider. On va foutre le R qui est ici. Allez, c'est vide. Parfait. Et donc là, à quoi? Alors, c'est d'abord il y a tout ça. Hein. Ici, on a de l'air qu'on va virer. Voilà, on vire tout ça.
c'est pas trop grave. On va vérifier quand même le... Merde, dans l'autre sens, s'il vous plaît. 74, on va le laisser descendre. Ouais, on va peut-être le laisser descendre un petit peu, ce truc-là. Pas trop. Ce qu'on va faire, c'est en profiter pour... faire de la... de là ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc. Ok. Yop. Yop. Parfait. Ah, raté. Yep, et on y va. Et paf. Ça, on peut virer. Là, on va prendre le limestone. Pif, non, pas du tout. Hop, ici, on va prendre notre petite wand et on va y aller comme ceci. Tac. Perfection. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre des torchinettes au milieu. F7. Une ici, évidemment. Et une ici. Et derrière. Une ici. Une ici. Normalement, on en a pas besoin parce qu'on a on a la Magnum Torch, mais c'est juste parce que ça fait plus propre en fait. Voilà. Et donc en haut, on en a un ici, un ici, je crois. Non, oui, c'est ça. Un ici, un ici. Ah, raté. C'était un. Voilà. Ça va être bon. Comment on est? Est-ce qu'on a descendu un petit peu déjà? Ouf, non, ça continue à monter. 141. Sacrément. Là, on est sur du dangereux. Ici, en théorie, on devrait être... oh, 81 ici, on est déjà beaucoup, hein. Comment ça se fait qu'il vient là, le... Et ici, ça doit pas bouger. 47. Ça se répartit quand même assez loin, cette affaire-là, hein. Je pense que je vais protéger un peu mieux mon truc, hein, incessamment sous peu. Parce que là, c'est problématique. En attendant... Ouais, je vais tout de suite m'occuper de ça. Alors, je sais plus c'est quoi le verre que j'ai utilisé ici. Du classe Bubble. Ah oui, pardon. Ouais, non, mais c'est ce que je te disais, hein. C'est vraiment très compliqué. Ce mode pack est très compliqué, et Tomcraft en particulier est une partie assez compliquée dans le mode pack, donc c'est normal que tu sois un peu perdu. On va ranger ça, 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 on va ranger aussi ça ici. Ça, mes filtres, on va les virer ici. On va les virer, ça, ça j'en ai besoin, ça c'est bon. Autonomicon, on va le virer.
et le tout maintenant aussi. Clac, hop, et Bubbles. Où mon Bubbles y est ici. Let's go. F9. Clac. Et ah, j'en ai plus. Ah ah, damned. Est-ce que bon, et là je suis bien. Ouais, je suis pas trop mal. Ça veut dire que là j'aurais. Là, si je regarde ici, si je me mets ici, j'ai combien en autométeur? Est-ce qu'il est ici 28? C'est moins intense. C'est quand même intense. Hein. Ici, on va prendre deux la vitre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir encore le chunk suivant. Alors, on va virer les jarres et le thermomètre ici. On va prendre clac clac, ça c'est bon. Ouais, c'est ouais, non, c'est très très compliqué. Je le conçois fort bien. Je le conçois fort bien, mais c'est ce qui fait la beauté du modé aussi. Hein. C'est ce qui fait la beauté du modé, selon moi. Ok, ici, on lui rajoute une couche jusque là, parfait. Et ensuite, parfait, donc là j'ai rajouté, j'ai dépassé d'une longueur tout ce truc là, donc normalement on devrait être pas mal. Et salut Free, comment vas-tu? Bouya. Alright, donc là on n'est pas trop mal, normalement on devrait être capable de, même si ça merde, ça devrait nous protéger. Je l'espère. On va essayer ça. Alors, let's go. Ça, c'est tout bon. On va donc envoyer, en théorie, ça devrait pas poser de problème. Bah bien, merci. On devrait maintenant avoir des ressources pour chacun de ces trucs-là dans le bon ordre. Cette fois-ci, merci. Alright, ça va être pas mal. Mais il faut que je fasse gaffe. En fait, il faut pas que je fasse ça. Ceux-là, je vais les laisser pour l'instant, mais faut que je m'occupe des autres d'abord. De ceux-là. Alchimia, Exanimis, Metalum et Precantatio. Je t'ai dit si ça allait bien. Merci, ça va bien, merci. Je sais plus. Je suis perdu. Aide-moi, Free. Je suis concentré et je sais plus ce que si je réponds. Qui serait quand même un peu dommage. Hein. Alors, le Precantatio Alchimia, on va aller regarder un petit peu ce qu'il nous propose. On a ces trucs-là dans Tomadrama, ici. Alors, Alchimia et Precantatio. Moi, je suis français. Je suis né en France et je vis en ce moment au Canada. Je suis à Montréal. Je cherche Alchimia, Blaze Powder, Exanimis, Skeleton Skull et Eye of Ender. Oh, j'ai déjà plusieurs. Ok. Donc là, il me faut Eye of Ender,
Blaze Powder. Yo. Blaze Powder. Tu sais plus. Ouais, on va. Parfait. Merci. Heureusement que t'es là. Metalum, Iron Ingot. On va être bon. Précantation, Metalum, Alchimia, Exanimis. Ouais. Iron. C'est ça. Et donc là, 15, on a... Oh, purée, Blaze Powder, il va m'envoyer... Non. Blaze Powder, ça marche pas, là. Alchimia, faut que je trouve autre chose. Alchimia. Alchimia, là. Comment on le récupère? Parce que là, ça marche pas. Marche pas, pas en toute cette affaire. Je veux pas qu'il m'en donne des trucs à 3. Est-ce qu'il y a, il y a un truc à 1 ou 2 là d'alchimie? Parce que là, là, il y en a 3, c'est beaucoup trop. Intermedium call, non, ça fait un peu beaucoup quand même. Creepy. Dash. Attends, what? Pourquoi il me fait. Je demande de l'alchimia, right? Oui, c'est ça, c'est Alchimia. C'est bien Alchimia que je te demande. Hmm, ça se peut que ce soit compliqué. Alchimia, Vis Crystal, ouais, mais... C'est pas ouf. Aluminium Shovel. Iridium. Draconium, bah oui, tant qu'à ça. Pour ça, tu parles plus horaire tout à l'heure sans avoir l'accent. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça qui se passe. C'est qu'effectivement, je parle de... Je parle de choses... Bah, c'est ça, parce que j'ai expérimenté déjà. Puis, c'est ça, la majorité des gens que je croise sur le stream ici sont des gens qui sont en Europe, donc... il faut aussi s'y adapter. Alors, Alchimia, c'est bien mignon, mais pour l'instant, j'ai rien qui me... qui me m'emballe vraiment là. La Dull Dust, bah oui, non, non, certainement pas. Redstone Wire, mais il y en a, il me le mentionne pas, ça fait chier. Aluminium fait 1. Je vais peut-être pas avoir le choix, puis être obligé d'y aller à coup de... À coup de... À coup de 3, hein. Nether Wart, c'est 3 d'alchimia. Et un d'herba. Lag. Et deux de vitium. Je regarde, mais pour l'instant, je crois qu'on est dans le... Dans le pas bon ici. Ouais, 5 avec le Blaze Powder. Ouais. Oh, attendez, je vais juste regarder ici. Venir ici. Clac. Ouais, bah, je crois que ça va être ça. Je crois que ça va être ça. Ah, j'ai oublié un morceau, j'ai oublié les Skeleton Skull, c'est ça, pour Exanimis, je crois. Skull. C'est ça, Exanimis. Ouais, et 3 aussi pour lui.
C'est-à-dire que là, pour ça, je vais pas avoir le choix, il faudra que je les... Que je les passe en... Hop. Regarde rapidement. Ok, bon, on va essayer de faire. Alors attends, au cas où tu te demandes encore combien de fois tu répondais à cette question, c'est 2 fois. Yes, ça marche, merci. Parfait, on y va. Donc ça c'est rempli, c'est bien, je suis content. Et ben on va y aller avec ça, tant pis. Et ça veut dire qu'il va falloir, dès maintenant, s'occuper de ce truc-là. Il m'en faut au moins... Donc lui... merde, j'ai viré mon iron. Non, raté, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Merde, hop, on y arrive. Lui, c'est bon. Lui, il m'en faudra au moins 2. Lui, il m'en faudra au moins 1 de plus. Et on a dit le blaze, puisque je l'ai pas mis en place. Le blaze ici, qui va me demander 2 de plus. Eh bien, ok, parfait. Donc, allons-y. Essentia Buffer. Donc ça va me demander des glaciels, donc il m'en faut au moins 3, des comme ça. Donc il va falloir 3 de brass plate, mais alors attends, hop. Essentia valve, ça va. Restricted, ça va. Est-ce que j'ai du suppression? Oui, j'en ai. Let's go, alors il me faut, allons-y. Non, il me faut d'abord ça. Pile poil 3, ça va être parfait. Il va falloir en refaire par contre. Tu vas aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci, merci d'être passé. Merci pour ton follow, Clément. Et puis, à la prochaine. Possiblement... Possiblement mardi soir, mais c'est pas sûr. Sinon, c'est ça. Suite. De toute façon, je le mentionnerai sur le... Sur Discord. C'est ça. C'est pas gagné. En tout cas, merci d'être passé. Et bonne nuit à toi. Hop, nous voulons ça. Excellent, ça c'est good. On y va. On vient ici. Alors, j'ai besoin de mes Essentia tubes qui sont là-bas. On va les récupérer. Les voilà. J'en ai assez avec ça. Des glaces fiales, je n'en ai pas. Hop. Non, raté celui-ci. Celui-là. Fais-moi un stack, ça va être bien. Des Essentia et des Restricted avec du suppression, ça va être là-bas. Let's go. Donc, suppression, 1, 2, 3. On va y aller par morceau pour l'instant, pour pas se brûler non plus avec cette affaire-là. Hop. Hop. 1, 2, 3. Hop. Oui, on peut rien y faire. En revanche, on va le garder le thermomètre juste pour voir un peu où est-ce qu'on en est. 213. Là, là, il y a peut-être des choses qui se passent. Il faudra faire attention. Mais normalement, on est protégé correctement. Avec ça. J'espère. Ce serait un peu foireux d'avoir une faille dans la base, n'est-ce pas? Ici on est bon, ensuite il va me falloir des valves. Hop,
3, let's go. Il m'en faudra plus éventuellement, mais on va y aller avec ça pour l'instant. 3. Voilà, donc on a ça, on a ça, on en a 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3, 3. Et les fiales. Évidemment, si je n'appuie pas sur le bon bouton, on ne va pas y arriver. 1, 2 et 3. Mais j'avais une... Il est ici, et évidemment, j'ai oublié la Directional Essential. Directional Essential, donc c'est un essentiel avec deux réagents. Hop là. Reagent. On va en prendre un juste pour le fun. Voilà, comme ça. Il a bien complété tout ça. Ça permet d'avoir des Curiosity. D'ailleurs, Curiosity, je dois en avoir... J'en ai presque 4000. Donc ça c'est valide, on a récupéré également celui-ci qui m'a donné, j'ai même pas fait gaffe, des Essentia Tubes supplémentaires, which is good. Donc ça c'est le Slurry Pump qui va nous donner autre chose, ouais, et l'Essentia Centrifuge. Pour les Primal Elements, ça m'intéresse pas, le Mnemonic Matrix c'est pour le Tomatorium pour faire, ouais. Ah, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse le Sanity Shaker. Mais il va me falloir de l'Alchemical Brass, il va falloir que j'en refasse. On va voir ça peut-être tout à l'heure. En attendant, nous avons nos 3 Essentia Buffer qu'on va pouvoir placer. Pour l'Alchimie, on a dit que c'était... Alchimie, on a dit que c'était... J'ai pas regardé, j'ai pas... Hop. Alchimie, c'est... C'est le Blaze Powder. Ok, Blaze Powder. Donc là, on est sur le Alchimia. Parfait. Donc ici, ça c'est out. On va avoir un Essentia Buffer qui va en récupérer ici, qui en replacera derrière. Donc, on va avoir ça. Et il va me falloir un Void Jar. Est-ce que je peux la faire, la Void Jar? Oui, bien sûr, c'est une jar avec un Void Reagent. Facile. Void. On va s'en prendre au moins 3, voire plus. On va voir comment ça fonctionne. Parfait, on va prendre des... Pas sûr d'avoir besoin de des... Ah si, je vais prendre parce que je vais pouvoir les faire après. Ici, Jar, Void Regent, 1, 2 et 3. Ça, ça va être bon. Raté. C'est un peu long. Okay. Et donc je pourrais foutre une Void Jar derrière. En attendant, c'est ici que ça va se passer. Je passe comme ça, je passe comme ceci. Ici, on va lui donner du Blaze. 64, parfait. Ensuite, on est ici. Filter. Basic Item Filter, tiens, donne-le-moi. Clac, ici. Lag. Merci. Place, parce que je crois que je peux pas l'avoir ici. Donc, il faut que je le mette comme ceci. Et si je le mets en Insert, ici, ça va envoyer. Voilà. Donc, l'alchimia, il rentre ici, pas de problème. En fait, le buffer, il va le prendre ici. Et celui qui va pas aller... dans le, la jarre ici, il ira de l'autre côté, donc dans le warded, dans le void jar qu'on aura. On aura deux, et je sais pas s'il est, si normalement les deux devraient fonctionner. Hop, ça devrait être bon. Je pense qu'on en met en deux. Donc ça, ça se remplit, ça nous remplit l'alchimia. Ensuite, bon, l'alchimia c'est bon. Place. On va faire ensuite le Precantatio. Precantatio, c'est l'Under Eye qui va nous prendre aussi du Sensus, mais c'est pas trop grave. Donc ici, c'est l'Eye of Ender, pas l'Under Eye, mais l'Eye of Ender. Hop, voilà. Ici, il faut mes filters. Il va falloir quelques-uns. Comment ils sont ceux-là? Ils sont vides. Et bien, soit. Parfait. Ici, Eye. Clac et clac.
Donc lui, pardon, il va falloir lui filer un buffer qu'on est aussi sur de l'Eye Offender qui va envoyer pas du Sensus, c'est pas du Sensus que je veux évidemment. Je dois avoir Lithium Alienis Potentia, non. Donc celui-là, ça va être Sensus. Marqué, allons-y pour Sensus. Clouk. Allons-y. Ouais, ça envoie du Sensus autant qu'il peut. Ça va peut-être être problématique à plus ou moins long terme. En fait, non, on va tout de suite le mettre en oup. Et on va le mettre ici. Ça. Et ça va venir comme ça. Donc tout le Sensus qui est ici, il va rentrer ici, dans la Voyager. Et il me restera donc l'autre qui va rentrer correctement. Donc là, ça envoie du pâté. Mon flux est en train de défoncer tout, mais c'est pas grave. Donc là, ça envoie, si je regarde ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Sensus. Et ça, c'est bon. Donc, Eye Offender pour le pré-Cantatio, ça va être bon parce qu'il est prêt. Exanimis, donc le prochain. Donc là, c'est pareil. Hop, Exanimis. Il va être ici. Et Exanimis, il va prendre, on a dit, le Skeleton Skull. Parfait. Donc ici, un filtre. Bah non, c'est ça, je peux pas le faire. Skull. Lac. Perfect. Et ici. Donc là, en théorie, je vais avoir deux Voyager. Ah, Mortum. Mortum n'est pas le bon. En revanche, Mortum, on peut le foutre dans un Voyager. Mortum dans un Voyager ici. Boom. Voilà. Donc on va avoir le Mortum ici, puis on verra le prochain qui va rentrer. Tout simplement. Et donc le Mortum, je peux-tu le virer? On verra. Ben non, le Mortum, on s'en fout. Je vais juste le mettre là, puis l'étiqueter en fait. Ça, c'est un Sensus et un Mortum. C'est ce qu'on va avoir pour quand on va les automatiser. Ces deux-là, tout simplement. Ok, on est bon. Il y aura donc une autre, évidemment, à faire avec ça. Exanimis. Et donc Metalum avec de l'Iron Ingot, bien sûr. Ici, Iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça, il m'en restera un derrière. Iron. Donc là, par contre, ça va assez bien. Normalement. Paf, paf. Hop là, let's go. Pong. Et on a du Metalum. Let's go. Bim. Metalum it is. Ok, ça se roule. Ça roule. Ah, là, j'ai deux Lignis qui rentrent pour l'Alchimia. Voyager. Paf. Wow, Kalmos. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Ignis, et voilà, c'est ça. Donc là, il me faut un pas directional, pas en tout.
Voilà. Donc là, ça vire ça, et donc on aura bien donc l'alchimia. Et lui, il va avoir un potentiel encore. Donc il va me falloir deux autres Voyager. Il va falloir deux Voyager. Void. Ok. Ici, let's go. Clac. Et clac. Perfecto. Parce que, évidemment, on va en avoir une autre qui va rentrer pour celui-là. Genre là, on est sur le Spiritus. C'est sur quel item on est déjà ? Spiritus. Donc c'est ça. C'est là, c'est le deuxième qu'on ne veut pas. Donc théoriquement, si je fais ça et que je lui mets un autre ici. Il devrait. Tu vas pas? Ah non, parce qu'il va bloquer ici. Ah merde. Ça va être. Et ça c'est bon, et si je le mets ici avec il me faut un ah non, oh bah en fait je m'en fiche un peu, non census. Non, il le prend pas. Ah. Comment on va faire? Comment on va faire pour ce truc-là? Ah, je pensais que ça allait être aussi simple que ça, et ça ne l'est pas. Alors, lisons. C'est différents pipes. On a le Restricted. Donc, on and off avec la valve. Ok. Restricted. Ça permet de réduire. Ouais, directional from one side. Et filtered, on s'en fiche. Et ici, ça vient pas jusque là. On est bien d'accord parce que... Je pense que lui... Ouais, c'est ça, ils vont pas... Alors. Comment on va faire? Est-ce que j'ai d'autres... Boomcraft! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, nous, on a notre... buffer, qui permet d'en avoir plusieurs ici. Et Voyager, il accepte à quel niveau le Voyager? Alors déjà, on va récupérer la Curiosity, merci. Tac. Ça, le blank label, on s'en fout, c'est ça. Il y a une suction, mais je sais plus c'est combien, et... C'est un peu emmerdant par contre, donc lui, il est presque plein. Lui, il a donc son census. Lui, il envoie... pour l'instant, ça roule. Alors, ceux qui ont 3, comment je fais maintenant? Comment je fais avec ça, moi? Ça va. Ah ouais, d'accord. Dans l'idée, ce serait peut-être...
Faudrait que je prenne un truc qui fasse par au-dessus. Merde. Ah, on va y arriver. Filtre ici. Si je prends ça comme ça, je fais ça. Ah, et là, ça marche pas parce que j'ai mon câblage au-dessus. Je crois que je vais être obligé de rehausser tout d'un cran. Parce que là... Ou alors, est-ce que je peux décoller, déconnecter des machins? Il me faudrait pour cela le Resolvenator, l'essentiel résonateur. Donc deux Iron Rod, un Vice Résonateur et un Alchemical Brass. Il me faut de l'Alchemical Brass. Alors, clac, ici on est sur du Cognitio en masse et donc il me faut de l'Instrumentum. Ici, let's go. Et ici, on a un petit peu. Je vais en demander un petit peu parce que je vais en avoir besoin. Donc, Alchemical. Alors, on a dit, je veux aller sur... ça, c'est fait et ça, c'est fait. Il faut... donc, le résonateur. Pas du tout. Et celui-ci, l'autre m'intéresse pas pour l'instant en tout cas. Un Alchemical Brass, deux vis, un vis et deux Iron Rod. Iron Rod, un, deux. Un Alchemical Brass. Et un vis résonateur, j'en ai. Comment ça se fait ça? Ah oui, c'est. Timer. Non, raté. 5, 6, 7, 8. 8, pas 9 et core reduction core, let's go, on y va. Donc ça on fait ça, parfait, ça avec le brass et voilà, on a l'essentia resonator. Est-ce que ça va marcher comme je le souhaite, c'est à dire si je fais ça, est-ce qu'il est capable de me le couper? Ah, il fait juste résonner. D'accord, nul. Ok, donc... Bon, déjà, on peut récupérer le ténébré qu'on a là, si on veut. Bon, ça c'est mignon, mais c'est pas essentiel. Ça veut dire qu'il faut que je monte tout d'un cran. Et bah, c'est parti. On va aller poser les jarres pour l'instant et on va remonter d'un cran, c'est pas grave. Alors ça je le garde, ça je vire, 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 ça, ça je vais le ranger. Je vais ranger là, ça je range, ça je range, ça je prends, ça je range, ça je range pour le moment, ça je range ici aussi, ça je peux le virer aussi pour le moment. Let's go, ok, alors... Eh bien, on commençons par le début. Alors, le début, c'est ici. Je vais couper là pour pouvoir faire du Venmine sans problème. Hop. Alright, let's go. C'est bon. Je pense pas que j'aurais plus que... Plus que ça, mais alors, lui il veut pas. Hein. Ça c'est. Je pense pas que j'aurais plus que 3 échantillons à virer.
Ça, c'est bon. Alright, alors, let's go. C'est bon, let's go. C'est bon. Et... Ok, alors on y retourne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 7. YOLO, trop vite. Ah! C'est pas grave. J'avais complètement oublié ce détail-là. J'ai aussi enlevé le... Les, comment dire, les ME cables sur, sur l'étage en dessous, mais c'est pas trop grave. Ça va se faire assez vite et bien. Ok, allons-y. Perfect, ici. Ça c'est pas urgent encore ces trucs là. Et évidemment il faut que j'aille les reconnecter en dessous. Sinon, ça ne marchera pas. Et alors, ça c'est bon. Et avant de faire plus de bêtises, on va regarder. Est-ce que je peux faire ça autrement? Attends, on va voir. De toute façon, c'est compliqué de faire là. Que je peux faire ça et décider que tu cales pas là. Pourquoi je peux pas? Ça me chagrine un peu cette affaire là.
Oh, I get it. Je pense que je me suis fait chier pour rien. Parce que si je fais... j'utilise ceci. En théorie, ça devrait fonctionner. Hop, là, que je mette les choses bien dans l'ordre. Si je viens ici, que je fais ça. Voilà. Sauf que ici. Et ici, ça va venir juste seulement avec celui qui m'intéresse. Waouh! Pas trop vite, mon pote. Et on a dit Spiritus, c'est une Voyager. En théorie, ça va être ceci. Voilà, et donc là, ça c'est bien. Ça vient sur le Spiritus. On a le Mortus et le Spiritus. Et voilà, et là, ça a plus d'allure. Et là, en fait, j'ai remonté alors que j'avais pas besoin. C'est pas grave, ça fera un peu plus d'espace. Ce sera bien pareil. Ça fera bien l'affaire. Alors, let's go. On reprend tout ça. Ça, on va laisser ça de côté pour l'instant. Cela aussi. Ouais, ça aussi. Tout ça là, pour l'instant. On va les laisser de côté, c'est pas grave. On va s'occuper de ce qui nous manque. Alors, Mortus Sensus, tout ça, c'est bien. Ici. Ah, ici, on a du Precantatio. Let's go. Where did ya? Precantatio. Et là, là, il me faut mes ceci. D'ailleurs, toi, tu peux ranger. Pas du tout. Qu'est-ce qui me fait avec du Sensus? Qu'est-ce qui me fait avec du Sensus, lui? Non, pas du tout. On a déjà vide. Précantatio. Voilà, let's go. Dans le Sensus ici. Là, j'ai dit Sensus, je peux pas te donner. Ça, c'est. On va le virer, ça sert à rien. Ça, c'est une Voyager. Ça, c'est une avec Sensus, c'est marqué Sensus. Ok, et ici on a du Exanimis. Et en haut, c'est bien Exanimis. Oh, pardon. Pas du tout, qu'est-ce qu'il me fait? Fais-moi ça, fais-moi du Exanimis. Voilà, let's go. Fréquentation ici, là c'est du Potentia, donc là il va falloir qu'on fasse la même chose, à savoir hop, mon gauntlet, il me faut ceci, cela. Je savais bien qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire avec avec notre truc là, et ici paf, et lui devrait attraper le Potentia, parfait. Voilà. Et là, on est bon. Là, on a les ressources qui vont bien. Precantatio, Sensus, et je crois que lui, c'est tout. Hein. Ça, lui, il fera. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir automatiser, enfin automatiser, semi-automatiser le Tomium. Mais avant toute chose, on va prendre de l'élémentium ici, et on va en remettre un petit peu. Ah, cuir. On va passer les ceux qui sont ici pour pouvoir se faire un peu plus de Chemical Brass. Et l'idée, ça va être de transférer ces trucs-là. Donc l'idée, ça va être clac, clac, on coupe pour l'instant. On enlève ça. On va prendre ça, on va foutre là. Juste pour que lui... Il vide le plus vite possible. Ben, vide, ouais, qu'on puisse en vider en fait une partie de ce qui est là. Et lui, il est à fond, donc ça c'est bon. Ça, toi, ben, c'est bien, toi tu vas attendre. Et 128, c'est ça. Là tu descends. Excellent.
Tac, ici, donc lui, il va se vider. Celui-là, on va attendre. L'idée, c'est qu'on va les faire... Ouais. On va attendre tranquillement. Avant qu'il en envoie. L'idée, c'est que... on puisse les changer, en fait. Là, du Alchemia, j'en ai. Et en fait, ça va être probablement l'Alchemia avant le... avant lui. Ou pas. 250, ça c'est bon. Fréquentation, on peut virer. Enfin, virer temporairement, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Hop. Parfait. Fondatio, j'en ai un petit peu en stock. Exanimis, donc lui, on va le laisser continuer à rouler. Oh, ouais, même si. Même si, peut-être pas en fait. On va le. On va y aller avec ce qu'on a. Et le Metaloom, évidemment. Tac. Hop, on va l'enlever temporairement. Voilà. Ça va envoyer un peu plus vite. 8h37, ça fait 1h42, ouais. On va donner encore une petite demi-heure. Ça fera 2h. Ouais. Alors, on n'a plus rien là-dedans. Instrumentum, let's go. On le recharge pour qu'il renvoie un petit peu. Alors, pour faire ceci. Alors, ah oui, ça c'est deux tiers 3 qui m'intéressent. Ça et ça, c'est fait. Thomium. Donc, pour du thomium, il nous faut beaucoup de... d'alchimical. Des alchimical construits, il va faire de l'alchimia et du machina aussi. Il faut que je fasse le machina aussi. Machina, c'est quoi? Machina, c'est le Hog Button. Hog Button. Ok, puis lui, c'est 5 de machina. Ça va être... Par contre, faut que je le fasse, le Hog Button. Donc on va aller... Comment on a ici? 52... Voilà, on va renvoyer ça ici. Mettons, si je veux tout cela, il faut 6 fois 2, 12. Voilà, ça va être pour les 2 Alchemical Brass. Et on va chercher quoi? On va automatiser le Hog Button. Ça, j'envoie ici. On va automatiser le Hog Button, facile. On va essayer de trouver. Je crois qu'il y a une place où j'ai du bois. J'espère que j'ai encore un peu de place. Ah oui, ici. Let's go. Donc là, il va me falloir du drawer. Un comme ça. Il va me falloir ma clé. Il va me falloir. Non, on s'en fout. Et on va dire un. Sequential Fabricator. De niveau 1. Ah non, pas du tout. Quoique. Comment il est, lui? Ah si, c'est bon. Sequential de niveau 1. Ah, de niveau 1. Avec ton kit, bien entendu. Et... upgrade. Augmente. Ok. Alors, allons-y. Fabricateur avec ça. Avec... Tac, ça c'est bon. Il faut que j'aille de l'autre côté. C'est compliqué, j'ai pas prévu de porte arrière. Néanmoins, on va s'en sortir. Conduit. Hop, et. Non, pas de fluide, non, on s'en fiche. Le mélodique par contre. Et tiens d'ailleurs. Hop. Avec le conduit ici. Ça c'est un fluide conduit. Oh. Et ici. Ça repart derrière et ça repart en haut. Et ici. Pourquoi?
Oh, what? Ça, c'est non, on est d'accord. C'est lui. C'est là que j'ai merdé. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc là, on est bon. Ici, on a celui-là. Filter. Tac, tu vas prendre... Ah non, on va prendre un limited filter parce que sinon ça va être la chiotte. Clac. Je pense que je vais en prendre 15 millions, ça va être relou. Wack. Hop. Et en fait, j'en veux... tu vas mettre un stack, ça va être très bien. Parfait. Clac. Ok, démon par ici. Merci. Un peu de... Hop, ça, tu vas me faire... Un hook button. Clac. Parfait. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre... Ceci, cela. Et voilà. Ça c'est bon. On a automatisé les hog buttons. Ça c'est bon. T'es capable? Oui, t'es capable de me renvoyer au centre ici. Ça je peux ranger en attendant d'ailleurs. On va récupérer nos brass plates. Ça c'est une partie. On est bon. On va aller se faire le machina qui est ici. Pour faire le machina, il faut que je récupère ici. Du. Alors ça, je peux virer. Merde, j'étais dessus. Clac. Et ici. 64. Et donc sur le dernier qui est ici. Avec un filter. Hop, je te mets ici le petit hog button. Et en théorie, tu devrais me le renvoyer ici directement. Et on a le machina qui est ici. Sauf que du machina, j'en avais plein, il me semble. J'en ai deux ici de machina. C'est bien, je vais utiliser ceux-là d'abord. Et après, j'irai chercher l'autre. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut, je crois. Ça, c'est vide. On va pouvoir le rouvrir. Celui-là, il est vide. Tiens, donne-le-moi. On va être vidé de... Vider celui-là, en fait, qui va pouvoir devenir l'élément qui nous intéresse par la suite. D'accord, il est lui passé, hein. Tiens, prends. Ok. Parce que là, il faut qu'on fasse ça, puis après, il faut qu'on fasse le tomium. Ce serait pas mal. Et c'est ça l'idée, en fait. Donc, on va automatiser ces trucs-là. Là, on a de quoi, on a automatisé toutes les essences nécessaires pour faire du tomium. Et donc, il va falloir maintenant eh bien, passer à la suite. Ce qu'on peut faire en attendant, ce serait d'autres alchemical constructs. Il m'en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il m'en faut 12 alchemical constructs. 12 moins 1, 11. Hop là, donc si je reprends mon alchemical construct, il m'en faut 11, donc il me faut 22 essentia tubes, 22 essentia valves, donc ça devrait aller. Valve. Tac. Parfait. Ici. On va faire ça. Clac, clac. Tiens. Ah oui, il faut des ressources, vis. Clac, 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 tac, parfait. Tac, 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 merci. Clac. C'est qui c'est ouais. Tac. R, je pense que c'est R, je sais plus. Oui, c'est juste de l'air. Clac.
sont passées où mes valves? Ah, elles sont là, je les ai toutes, pardon. Ok, on a toutes les Essentia Valve, parfait. Il nous faut évidemment des Essentia Tubes. Je vais en avoir quelques-uns qui traînent ici. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Ensuite, des Arcane Stone, ça c'est bon. Des Cosmic machin. Et donc, 11 on a dit. Donc 11 ça fait 220. On devrait être pas mal assez prochainement. Lui il est bon et lui ça s'en vient. Je peux le prendre et lui 142. Je vais laisser build puis on va commencer avec ce qu'on a. J'ai mes deux autres ici, parfait, on va y aller. Ah, Blood Magic, merci. Alors, on y va. Donc celle-là, c'est pas la première. On va commencer par cela. Voilà, en fait, on va faire deux fois. Donc, ensuite, Alchimia, qui est ici. Ensuite, il nous faut Cosmic Alloy. On faut 11. Et on a dit des Arcane Stone. On a dit 4 x 11, 44, parfait, donc let's go, un comme ça, il me faut enlever les trucs qui ne servent à rien, on va prendre ça et ça, et on y va. Hop, hop. Et le Caster's Gauntlet. Ici, let's go. Et ça, on peut le virer. Comme ça, on va pouvoir récupérer ce qui nous manque. Combien il en prend? Il en prend 19 de Machina. Mais c'est vrai qu'il a réduit un petit peu. Donc là, c'est bien, il va virer. Voilà, elle, elle est vide. Cadeau, lag. Lui, il en reste 11, très bien. Virer et ça ici. Hop là, let's go. Et là ici on va virer ça et on va surtout prendre, se préparer à mettre l'autre Machina quand lui sera vide. Non, il y va par petite dose celui-là, je sais pas pourquoi. Néanmoins. Ouais, c'est ça, t'es capable d'aller chercher, merci. J'ai eu un petit doute à un moment là. Voilà. Là, il m'en reste 139, ce qui nous en donne au moins un peu plus de 6 quoi. À faire des gros pâtés à faire, mais on va être avec ça, on va avoir des trucs plus propres qui moins de flux dans la base. Oh là, Italie. Donc là, avec ce troisième là, je peux faire deux Tomium Essentia Smeltery. Bah, ouais. Il me faudra encore le Tomium, justement, mais... Mais on avance.
c'est bien. Tout ça, c'est bien. Clac, allez. Paf, et hop, paf, et let's go. Luc 7, wouh! On est presque arrivé. Il va falloir refaire un passage dans le monde là-bas par exemple, mais en fait c'est ça qu'on va faire. On va prendre la jarre dès qu'il aura fini. Donc là il a fini. On va aller vite fait recharger Machina. YOLO. Le magic c'était plus rapide de le faire autrement, mais c'est pas grave. Hop là, et ici, clac. Et ici, on a déjà tout ce qu'il nous faut, à savoir ceci. Let's go. Hop. Il me faudra ensuite donc du thonium. D'ailleurs, du thonium, il m'en faut combien? On a dit, il m'en faut 6 autres. Donc 6. 6 fois 2, 12, 11, c'est ça. 6 fois 4, 24. Ou 24 de thonium. Ou 24 d'alchimico brass. On va être assez largement bon avec ça, je pense. Dès qu'on aura raté, fait les ressources dont on a besoin. C'est un peu long quand même les crafts avec la Runic Matrix, mais bon. Bon. Hop, on y va, on essaie de pas perdre trop de temps. Ok. Ça marche. Merci à toi, Tri. Bonne nuit et puis à la prochaine. Allez, wing, clac, allez, plus que 4 crafts et un peu moins de 4 minutes, là on est bon, hein, large, oui. Assez large.
Et il faudrait que je fasse d'autres statues aussi pour ce truc-là, même si c'est pas essentiel. Un peu de patience. Hop, allez. Plus que deux crafts, on y est, on y est. Let's go. Merde, mais Slate, où est-ce qu'elles en sont? 1453, perfect Slate, on est pas mal. Et this crystal, ouais, on est assez large là-dessus. Et c'est quoi l'autre? Ah, diamant. Diamant, hop, et obsidienne d'ailleurs, ça va être très bien. Ça permet de voir 34 000 en obsidienne, puis 23 000 en diamant, c'est pas mal. Et en oil, je suis à 8128, mais j'ai 3000 de oil shell qui font pas mal en plus. On est bien, on est bien. Tac. Allez. Et c'est parti pour le dernier craft du jour. On va être pas mal. Oui, genre, d'ailleurs, je l'ai pas dit au début, mais... Puisque j'ai viré l'aubergine, j'ai viré le champ qu'il y avait ici. Ça me fait un truc plus propre d'ailleurs. Je peux l'enlever. On va le garder claim, mais on peut le déloader. Ce qui fait que j'ai 49 chunks loadés. C'est ça. Et je pourrais en virer de... Atum, Aesika et Aether. Puisque j'ai plus besoin de ces fermes là. On en a 11, ça y est. On est tout en place. On va aller vite fait s'occuper de replacer nos jars. Et puis on va être pas mal. Donc alchimia. Ça c'est quoi? C'est machina. Et ça, c'est quoi? Potentia Sensus, ouais. Et c'est tout. Donc eux sont bien, ils sont... Donc lui, il est en train de se re-remplir à fond. Alchimia est en train de se vider ici, très bien. Ici, il nous faut de l'instrumentum. Voilà, et on va être combien? On a largement ce qu'il nous faut pour avoir notre... alchemical, enfin notre thomium justement. Donc là on va laisser, ce que je vais faire c'est que je vais laisser finir ce truc là, je vais préparer le thomium pour la prochaine fois. Comme ça la prochaine fois on se fera tout cela vont être des essentia, des thomium smeltery, ce qui sera pas mal. Donc le thomium il prendra, ouais, ça, il prendra ces ressources là. Ça devrait fonctionner.
Je sais plus si je peux en faire rentrer par ici aussi. Huh. 3. Je peux en faire 3. Faudrait que je regarde, je sais pas. Ici, donc ça c'est bon, il est en train de se vider celui-là. Which is good. Lui, il est pas encore prêt à se vider, mais ça va se vider avec le avec les trucs. Et ça va être bien parce qu'il va être vide. Donc on va pouvoir le changer celui-là assez vite. Ici on change lui, on va être capable ensuite de changer lui peut-être. Lui il y a combien? Il reste ouais, encore pas mal. Lui il est vide. Ah lui il est vide. Ce qui fait que lui et lui on va pouvoir les changer assez vite. Et lui, lui est pas vide du tout. Mais on s'en fout. Non bah on s'en fout pas mais ça va aller. Et ici. Bah celui-là il est pas vide de. Bah celui-là il va falloir que je le vide. Bah lui il faut que je l'arrête. Parce que là j'en ai bien assez. Bien de trop en fait. Ok. Parce que Machina, je vais pas en avoir besoin tout de suite. Right. Tomium. Metalum, c'est 10 de chaque, donc ça, ça devrait aller assez bien. Pif. Il reste 20 ici. Boing. J'ai de quoi en faire 12 de plus. Cognitio, j'en ai plein ici. Cognitio, on va le vider ici. Ça, c'est bon, merci. Ça, ça descend très bien. Tchoukoudjouboudjoum. Alors, quasiment bon. Ça pour les derniers, ça va être parfait. Et je vais, ouais, je vais. En fait, je vais préparer juste le truc du Tomium pour qu'on garde vite fait. Puis comme ça, ça va être réglé. Comme ça, je déconnecte après ça. Donc Tomium, on a dit, il m'en faut 4 x 6, 24. Il faut 24 de Tomium. On est bon ici, on a fini. On a fini, on a nos 64. Donc on va en prendre la moitié, on va en faire 32. Et donc lui, il va retourner ici, très bien. Lui, avec ses 128 là, il va prendre ce qu'il y a ici. Parfait. Ça c'est out. Ici... ah ça va être chiant ça. Toi tu te remplis à fond, toi c'est presque vide. Ouais, je pense que je vais prendre une jarre pour virer tout ça parce que ça va être emmerdant autrement. Ça, je pourrais en mettre aussi des venting ports comme celui-ci éventuellement. Hop, ici, clac, on va ranger le venting port justement, les constructs, non pas les constructs, les deux smelteries qu'on a ici, ça, ça et ça. Perfecto. Il me faut d'autres tubes. Voilà. Et donc là, c'est 4. Est-ce que 4, ça va fonctionner ici? Je sais pas. Hein. Ouais, on va essayer, mais... Je pense que ça devrait marcher comme ça, mais... et donc ici, en théorie, si je lui donne... hop. Ça, du thomium. Donc là, il y a un autre vide, 4 là, donc ici,
Donc on a Alchimia, on a Precantatio, on a Exanimis et on a Metalum. Et le Machina, j'en ai pas besoin, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Et là. Mais bon, il les a tous pris. Oui, il les prend tous, parfait. Donc là, pour m'en faire 32, il m'en faut 320, donc j'aurai pas tout ce qu'il faut. Mais au moins, j'aurai de quoi démarrer tout le monde. Alors, j'aurai de quoi en faire quelques-uns. Parfait. Sur ce, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Alors, j'avais pris un peu d'avance, mais pas tant que ça, finalement. Mais ça avance bien. Là, au moins, on est sur la bonne voie avec Tomcraft. Ça va. Prochain stream, là, on va vraiment commencer à automatiser pas mal plus de choses. Je vais essayer, si j'ai un peu de temps en temps, de faire du Tomium et de l'Alchemical Brass et du Alchemical Construct. L'idée, c'est de pouvoir avoir tout le matos pour avoir directement les Tomium Essentia Smeltry placés sur nos emplacements là-bas. Et voilà. Prochain stream, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être mardi. Demain, il y a peu de chance. Demain, ça va être compliqué pour moi. Mardi, peut-être en... Non, mardi, ça n'a pas marché non plus. Donc, ce sera peut-être mercredi après-midi. Peut-être. Sinon, ce sera un peu plus tard. En attendant, merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Merci aux nouveaux followers. Bienvenue à vous. On se retrouve très prochainement pour la suite de Divine Journée 2. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Ciao, ciao.